Hello, hello. Je sais pas si on m'entend bien, du coup j'ai pas eu le temps de mettre de musique, ni de vraiment préparer quoi que ce soit. Hop. Du coup, on fait les ombrages de la, enfin, les ombrages finaux de la carte de tarot. Je vais essayer de rectifier aussi un petit peu les bandes qui sont pas très droites du coup, avant de la terminer, terminer. Tac. Désolé pour le retard. Finalement, c'était comment dire? C'était mon antivirus Windows qui avait trouvé quelque chose et qui faisait du coup tout planter parce que c'était en train de nettoyer. Du coup, j'ai redémarré deux fois, mais un peu pour rien. En fait, il aurait mieux. Enfin, si ça me l'avait affiché avant, je l'aurais vu du coup. Hop. Voilà, la petite bestiole est ombragée. On va faire les ombres des loups du coup. Et du coup, pour les prochains, enfin la semaine prochaine, le prochain stream, ce sera. On essaiera de partir sur du traditionnel, parce que j'en ai pas encore fait, du coup. Donc, je vais réfléchir à quoi proposer, même si j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais vous faire la semaine prochaine. Et samedi on se retrouve ici du coup et on va faire enfin on va continuer en fait le let's play de Fez parce que j'ai envie de le continuer en fait j'aime bien ce jeu puis ça me motivera à le terminer parce que ça fait un moment que je l'ai sur mon ordi et j'étais un peu paumé, donc le reprendre à zéro, c'est pas mal aussi. Ça va permettre de le reprendre en douceur. Ok, alors, les deux, un. Et, hop. Mais du coup, ouais, comme ça, on va changer un petit peu du digital, et de toute façon, là. Pour ce que je suis en train de faire en ce moment, je peux pas trop vous montrer ce que je fais de toute façon. Donc, autant que je parte sur quelque chose que je peux vous montrer. Donc, on va faire du traditionnel. Je pense que je vous proposerai la deuxième figurine que j'ai à customiser là, qui traîne dans un carton. Que j'avais prévu de mettre sur ma boutique ensuite. Comme ça, les deux toys de la collection Food Porn seront terminés. Et puis vous verrez comment je gère sur une figurine.
Oui, je me jette des fleurs. Voilà. Alors, hop, on va descendre un poquito l'opacité, n'est-ce pas? Ouais, un petit peu plus quand même. Tac. Du coup, je sais pas qui est là, par contre. Hein. Bonjour le Jean. Donc là, on va faire les particules claires. Tac. Poulpe. Je pense que je vais ajouter une texture un peu fluffy sur les loups. Ça pourrait être sympa parce que là ils sont un petit peu sont un peu plats quoi. Voilà. Des loups pas fluffy, c'est pas très cool. Donc ouais, je pense que je vais faire des loups fluffy. Est-ce que c'est cool les loups fluffy? Hop, hop là. Donc oui, là en gros, ça fait un petit moment que je m'entraîne un peu sur bah, le fait de d'apporter du relief du coup en travaillant sur les ombres un peu. Ça fait pas de mal de bosser de temps en temps sur des trucs qu'on fait pas habituellement. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Du coup, c'est sympa. Tac. Là. Et donc, oui, Colors Live, ça sort du coup le, je ne sais plus, le 17 septembre en France maintenant. Ouais, dans 2 semaines et demie, quoi, à peu près. Donc comme ça, si vous voulez vous le précommander, bah, ce sera 50 € du coup avec le pack vendu en France. Alors voilà, on va descendre. Tac. On va voir. Ouais, plus parce que là, ça se voit encore trop au niveau des traces. Ouais, on est pas mal là pour les loups. Enfin, je pense pas que vous voyez bien avec le reflet, mais ouais. Moi là, à l'œil, ça me plaît bien. Je valide. On va essayer de faire un. Bah, on va leur faire des poils, quoi, pour que ce soit moins plat. Moins plat, moins plat. Alors, on va jarter la gomme. Et on va prendre. Ouais, la brosse classique. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais en fait la brosse classique c'est pour faire des textures justement de cheveux, de poils. Voilà quoi. Par contre, je vais peut-être augmenter là parce que on voit pas bien la différence. Plus foncé, ce sera peut-être mieux. Aussi, ah, c'est trop gros, c'est trop gros. Tac. Une petite texture un peu fluffy, c'est plus sympa des bouches fluffy. Plus gros s'il te plaît. Ouais. Ah. On va
J'ajouterai une couleur claire par-dessus ensuite. Bon, du coup, ça va sûrement être un live plus court pour cette partie-là de la carte, hein, parce que concrètement, j'avais presque terminé, donc ouais, encore. Non, ça ressort pas assez, ouais, comme ça. Je vais en ajouter un autre. Ah, je suis bête. Tac. J'avais pas fini en fait. Bon, ouais. Non, j'avais pas fini. Faut faire le deuxième. N'importe quoi. Hop. Court, là. J'essaie d'en appliquer partout. Hop. Histoire de pas oublier d'endroit. Je la maîtrise pas encore hyper bien cette brosse-là. Du coup, bah, j'essaie de faire du bas vers le haut en fait, en essayant de, comment dire, de varier le sens des coups pour que ça fasse pas bah, vraiment des poils quoi. Ok, ça ressortait quand même pas mal. Hop. Ouais, voilà. Fusionne. Je vais refaire pareil, mais du coup, légèrement plus clair. Et plus fin, je pense. Impec. Comme ça va faire des reflets dans les poils. Des petits reflets blonds. Ça va être sympa. Ah, il est bien comme ça. Il est bien texturé. Du coup, pareil, on va faire le deuxième.
Ensuite, il nous restera la Lune à faire. Ouais, un peu. Là, ils sont bien, du coup. Ils sont bien. Je vois si j'ai réduit, mais je suis pas sûr parce que ça leur donne vachement de texture en fait au max. Si j'ai réduit, c'est pas top. Ouais. Ouais, non, ça va rester comme ça en fait. Ok, du coup, donc on fusionne sur ombre des loups. Ah, en fait, tous les autres calques, je peux déjà les fusionner concrètement. Voilà. Alors, la lune. La lune. Tac. On va faire ses reflets, du coup. Histoire de, je sais pas, donner un peu plus de gueule à cette lune quand même. Tac, petite ombre. Oups. Que je vais faire comme un effet vraiment de cratère. Du coup, je donne de l'épaisseur. Tac. Comme ça, quand on va bouger l'opacité, ça fera vraiment comme si c'était creusé, quoi. Hop. Ok, donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, ouais, non, il y a mon reflet. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, on va bouger l'opacité. Là, c'est trop. Encore un peu plus. Comme ça. Ça c'est bon. Et on va en faire un autre. Et on va lui apporter de la lumière à cette lune quand même. Parce que c'est pas tout ça. Mais bon, c'est quand même la lune. C'est censé briller un peu, quoi. Parce que je vois pas grand-chose. De lui donner un peu de relief à cette lune quand même, histoire qu'elle soit pas non plus toute plate. C'est trop bas. Voilà. Ouais, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Je réfléchis. Je pense que. Ouais, je vais faire ça. Je vais ajouter un calque par-dessous. Et je vais créer une lumière blanche autour.
augmenter la taille de la brosse. Tac. Du coup, je fais je fais ça. Et le but, ça va être que, que la lune, elle fasse de la lumière, quoi, quand même. Puis de la rendre un peu plus ronde, peut-être. Voilà. Ouais. Donc, voilà, la lune, machin, faisceau de lumière autour. Encore un peu. Non, là c'est trop bas. On va trouver le juste milieu, n'est-ce pas? Ouais, là c'est bien. Ok, alors on va fusionner avec le reste du décor. Et du coup, je disais que mes bandes ne me plaisaient pas parce qu'elles ne sont pas droites. Du coup, ouais, on va. J'ai réfléchi. Ouais, je suis sur le calque du contour. Il me faut du noir. Est-ce que je peux le faire? Normalement, je peux le faire avec le pinceau dur paresseux. Peut-être juste dézoomer du coup. Donc, pinceau dur paresseux qui sert du coup à tracer quelque chose qui est censé être droit. Pourquoi ce n'est pas droit? Bon, bricolage. Du coup, c'est pas grave. Je vais y arriver par mes propres moyens. Hop. C'est un fil. Oh, je suis galère. Bon. Je vais zoomer, ce sera plus simple. Alors, est-ce que ma bande a l'air plus droite comme ça? Ouais, ça m'a l'air. Du coup, hop, on va recoloriser par-dessus. Là, c'est pas tout à fait ça, par contre. Du coup, on va gommer. Je me suis mis sur le bon calque, moi. Ouais. Ouais, donc on va gommer.
pire, c'est pas grave. Ce sera toujours plus droit que ce que c'était de base. Et la bande, c'est écrit la lune. Ouais, c'est quand même. C'est pas très droit non plus. Donc, pareil. On va. Je sais. Essayons. Voilà. Je vais zoomer. Gommer ce qui n'est pas bon. Ouais, c'est du complet rafistolage, mais au moins ce sera droit. Potentiellement. Au moins à peu près droit. Et plus droit que ça ne l'était, donc on va pas cracher dessus. On voit, ouais, voilà. Voilà, tac. Alors, je dirais que c'est mieux au niveau des bandes. Du coup, je re-regarde moi et ma perfectionnité. Alors, pour moi, c'est bon. Il n'y a pas besoin de toucher plus. On va pas faire un massacre, hein, et c'est déjà très bien comme ça. Donc voilà, je fusionne tout. Je vais tac, sauvegarder et quitter. Et du coup, on va pouvoir regarder le timelapse. C'est mon petit kiff de fin de dessin. Du coup, voilà. Hop. Ouais, y a rien en fait. Je vais essayer un truc. C'est pire en fait, c'est pire. Voilà. Je pense que là, vous voyez mieux.
Et voilà, du coup, la carte de tarot est terminée. On va pouvoir se laisser là-dessus pour aujourd'hui, du coup. C'était un live plus court qu'habituellement. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour certainement un live traditionnel pour customiser un Arteuil. Voilà. Des bisous et passez une bonne journée.